Une semaine avant la finale de la Coupe de la Ligue face à Nantes, Sochaux veut consolider sa quatrième place, mais ça part mal avec cette frappe du Guingampé d'Agano. Elle est déviée et elle finit sa course sur la barre transversale. La réponse de Jérémy Mathieu, le crochet, la frappe du gauche, poteau. On continue la spéciale montant, Jérémy Mathieu en deux temps, poteau. ...58e minute, la deuxième période, le coup franc, la combinaison à 3... ...coup franc indirect tiré par Pedretti et transformé... ...but de l'international français, Ronan Le Crome est battu... ...Sochaux prend les devants. Et les Franc-Comtois poussent, centre de Pedretti à la 81e... ...Isabé marque de la tête, mais non, c'est Ferrier contre son camp... ...qui trompe son gardien, au grand bonheur, les yeux grands ouverts... de Michael Isabé. 2-0, score final, 16e victoire en Ligue 1, idéal avant d'aller défier Nantes au Stade de France.